y a une image européenne qui est liée à Strasbourg. Et quand on est transfédération et qu'on invite des experts qui viennent d'autres pays européens, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de le faire à Strasbourg. I'm really, really impressed with the organization here. So one of the great things about this day is that all the associations are working together and really cooperating to promote supervision to make the profession of coaching much better, which is fantastic. On est en train de vivre une grande et belle journée autour du coaching et de la supervision. C'est une première à Strasbourg, ces quatre fédérations se réunissent pour proposer un beau moment à des professionnels qui soient coach, manager. Et je suis ravie d'avoir contribué à cet événement à travers l'équipe organisatrice. On a beaucoup d'actions qui sont menées en France sur le coaching, mais la supervision, c'est plutôt très rare. Et donc, j'avais vraiment intention de découvrir à travers cette journée et à travers la vision de personnes à la fois extrêmement connues ce qu'il en est de la supervision, d'autant plus que je pourrais être amenée à pouvoir faire ce type d'activité. Je suis particulièrement heureuse d'avoir démarré ce projet avec mes trois collègues des autres associations et d'avoir pu contribuer pour professionnaliser le métier, montrer ce que c'est la supervision et partager les pratiques européennes à tous les niveaux. Ce qui est important actuellement, c'est de développer et défendre notre métier. Et c'est pour ça qu'on l'a fait à Strasbourg, au centre de l'Europe. Et on l'a fait interfédération, pour que les fédérations travaillent ensemble à développer notre métier. Et je crois que c'est vraiment un mouvement qui est en train de se faire en ce moment. Le développer, le professionnaliser, et puis aux coachs particulièrement, je leur dirais, bah, faites-vous superviser. C'est indispensable d'avoir un endroit, qu'on soit coach débutant ou coach senior, où l'on peut grandir dans sa pratique ou confronter sa pratique.